là-bas. Enfin, à mi-temps, ils ont essayé, pas tout le temps, mais ils ont essayé de jouer. Ils étaient un peu plus hauts, le bloc était un peu plus haut. Et le fait de ne pas marquer, ils ont su trouver dans une période et essayer de repartir avec de points de jeu. De grosses occasions de la fin de première période, on fait un peu peur, tu penses hein? Il y en a plus que ça. Il y a Aïssa, bon, je pense qu'il y a pénalty sur lui, même si je veux dire qu'il est plus loin dans l'action. Il y a le tête-à-tête de Faïssal, le tête-à-tête d'Aïssa, Harold Belladon, qui est en train de match, une situation intéressante. Je pense aussi qu'il doit avoir, 2-0, allez, sur des gentils doigts, sur une belle frappe quand même, qui va Mener, qu'est-ce que tu as dit à Zoubir et Benadou, je crois, en fin de première mi-temps? Tu les as fait un petit aparté pendant la blessure d'Aïssa, tu leur demandais plus de mouvement, plus... Non, j'ai demandé à Harold Belladon de rentrer un peu mieux intérieur, parce que sur chaque possession, il y a un peu trop de sang derrière, alors que Benadou était en difficulté, il y a pas mal de choses sur ce côté. Et à Zoubir d'être un peu plus haut, pour le coup un peu plus haut, parce qu'il avait tendance à me récupérer les ballons plus bas, et manquer d'appui un peu devant. Ça a été rectifié à la mi-temps, j'aurais redit à la mi-temps, et c'est la mi-temps, en deuxième mi-temps, sur le positionnement.